Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour ma deuxième réception de Mailbox US. Donc très content, un peu sur le même principe, on va partir comme sur la première. Il va y avoir la collection complétée, l'achat d'un joueur en particulier, beaucoup de cartes, hein, le gros tag vous pouvez voir. Très bon investissement. Enfin, c'était pas le but, hein, mais vous allez voir que le timing est parfait. On a de l'auto de joueurs français, l'auto Pistons et des retours de break. Et on aura aussi les deux premières tops. Alors ça, c'est Project 70. Donc celle-ci, normalement, je les ai pas ouvertes encore. Hein, donc on va les découvrir ensemble. Celle-ci, elle est achetée sur le site. Et ça, donc ça, c'est les Stadium Series. Ça s'est acheté sur eBay en occasion, donc on les découvrira à la fin. Je suis très impatient de les ouvrir, je ne suis pas spoilé. Ce sont mes deux premières. Normalement, prochain retour, il y en aura beaucoup plus. Donc voilà. Alors, donc là, on a couronné une petite casquette des Tigers aujourd'hui avec le logo un peu rétro et la casquette offerte. À la Little César Arena, lors du match que j'ai fait en janvier 2020. Ça date déjà. Oui, ça date. Alors, donc on commence par les collections complétées. Hop, la petite James Edward, la John Saley, en Fleer 89-90. Pardon, à l'endroit c'est mieux. Donc on connaît, hein, c'est du classique. Donc voilà, ça, série complétée. Ensuite, on a du Hoops, pareil, 89-90, il manquait pas mal quand même. Hein. C'est un set qui est plus conséquent que les Fleer de la même année, qui manquait de Chuck Daly, John Saley, Bill Laimbeer, Isaiah en All-Star. Donc cette année-là, c'était où? À Houston. À Houston, Isaiah en normal. Et on a les deux pour fêter le titre de champion. D'ailleurs, elles ont le même numéro, si on regarde, le même dos, le même numéro, 353, mais deux cartes différentes, A et B, on va dire. Donc c'est pareil, Oups, 89-90, c'est complété. On avait ensuite, hop, ça c'est le petit set que je vous avais montré, il manquait cette carte, le set Unocal, pour fêter le titre. De 89-90, il manquait cette carte. Isaiah Thomas en MVP des finales 90. Donc voilà, c'était la seule sur les. Je crois qu'il y en a 16 des cartes sur cette là. Donc complétée. Et j'ai enfin. Alors, celle-ci, je suis très content de l'avoir. Ce qui est considéré comme la rookie card de Dennis Rodman. Donc elle a un certain coût. Hein. Un certain coût. Ça, c'est du Fleer de 88-89. Donc, comme on peut voir, hein, il y a déjà deux saisons de jouer, comme vous avez expliqué, mais c'est considéré comme sa rookie card. Donc ça chiffre un peu plus, hein, pour une carte de base comme ça. Je sais plus combien je l'ai payé, je l'ai payé autour de 20 $ quand même. Hein. Je suis assez content parce que l'état est bon, parce qu'on sait jamais, hein, quand on achète, l'état est correct. Parce que vu le prix, ça m'aurait fait chier de recevoir une carte. Dans un sale état, donc voilà, donc pareil, ce set là, hein, complété. Donc tous mes plus anciens sets sont complétés, donc je suis plutôt content. Je verrai si je continue. Après, je pense que la suite de mes sets pour compléter, ça se trouve assez facilement en France, donc je ferai peut-être plus calmement dans des fire sales, ou, même si c'est plus trop mon délire les fire sales, mais bon. Hop, cette petite Certified 2020-2021 de Kylian. Donc c'est la base. Hein. Mais ça fait toujours plaisir à avoir. Hop, et voilà. On attaque le gros. Alors je vais passer très vite, hein, parce que donc j'ai eu la bonne idée de d'acheter beaucoup de cartes de Sekou Doumbouya qui n'est plus à Détroit. Mais bon, je me suis dit que bon, quand j'ai commandé, c'était donc j'ai commandé ça, c'était ouais, c'était le temps de recevoir et tout. C'était
Il était encore chez nous. Hein. Donc voilà, donc on est sur de l'absolu. Je vais passer très vite hein, parce qu'il y a beaucoup de. Et puis bon, c'est absolu mémorial. Il y a. Hop, x2. Il y a les deux. Pour l'instant, c'est de la. C'est sa saison rookie. Hein. Il y a les deux certified. Donc 19-20 cette fois-ci, hein, contrairement à Kylian. Donc la petite tag. Très jolie toujours. Hein. Bon, alors ça, je vais passer très vite parce que ce sont. Ce sont les Chronicles avec toutes les variantes. Donc là, c'est le bronze. Hop. Bronze. Bronze. Voilà, on est sur du green. Du pink. Alors ça, je crois qu'il l'appelle teal, la couleur. Et la Crusade de base que je n'avais pas. J'aime beaucoup ces Crusades d'ailleurs. Hop. On continue avec la petite Clearly Donruss, toujours en réalité de rookie. Donc ça on en retrouvera plus tard, hein. On peut en voir là dans le fond, de retour de break de cette année en Clearly. On a du Contender Draft Class, Rookie of the Year Contenders. Donc bon, ça c'est toujours assez drôle quand tu revois des années après les Rookie of the Year Contenders. La petite Crown Royale, très sympa, hein, die cut. La Donruss de base. Optique Donruss, donc Silver Wave, il l'appelle. Celle-ci, c'est la Hyper Pink, visiblement, hein, d'après TCDB. Ensuite, on est sur du Oops, donc la Winter de base, la Arriving Now de base, Winter toujours. La classe en base, et là, We Got Next. Hop. Désolé, hein, c'est long, je sais, surtout pour un joueur comme lui. Donc là, c'est du Oops Premium. Ouais. Donc ça, c'est la Pulsar. Ça, c'est la Laser. Ça, c'est la Mojo. Là, on est sur la Arriving Now. La classe en Silver. La classe en Blue. Et la We Got Next. Ensuite, on passe aux illusions. Donc, c'est pareil, j'essaie de compléter un peu. Donc, illusion, on a la Emerald, la Saphir et la Yellow sur 149. Voilà. Une petite. Donc, il y a le logo Donruss, mais c'est le set Panini Instant. Et sur 3431. Et en numéro 1, je sais pas si elles le sont toutes, je pense. Hein. Je pense. Mais ça, c'est ce qu'on achète sur le site Panini en général au moment de la draft. Voilà. Bon, c'est cool quoi. Ensuite, la mosaïque de base. On passe très vite. La Origins. C'est ma toute première Origins. Et ben, c'est plutôt réussi. Hein. Il va falloir que je chope celle de Kylian. Et c'est très très réussi les Origins, hein, je trouve. Un beau set. Donc ensuite on passe à du Prism, l'Emergent. C'est la. Ouais, c'est la Silver, c'est le Holo. L'Emergent en green. Elle a Instant Impact. Pareil, je crois que c'est là. Ouais, c'est le Holo. Ou Silver, ça dépend. Aux préférences, les révolutions, donc tout ça c'est toujours en rookie card. Hein. Donc ça c'est la base, mais en astro. Astro, ça c'est bien par contre, sur les 7 révolutions qui notent le nom des variations, parce que sur les autres, des fois tu galères un peu. Ça c'est la rookie révolution en base. Hop, petite select, classique.
course. La statueuse. Et là, on passe à son année sophomore, donc c'est cette année. La base 21 en certified, la base la red. La petite green and yellow, comment ils appellent ça? Je sais plus. C'est pas laser, je crois. Green and yellow, le laser, en don russe. Petite variation de des hoops de cette année. Donc la blue, la purple explosion et la green explosion en caisse sur 89. C'est pareil, celle-ci me fait rire. Donc c'est le 7, je ne le connaissais pas. C'est le 7 Player of the Day. Donc ce jour-là, il avait décidé de jouer, visiblement, ce vieux Sekou. 24 points, 10 sur 13 contre Boston le 15 janvier. C'est con parce que du coup, nous on l'a vu une semaine après contre les Nets et il a joué, je crois, 3 minutes au début. Il n'est plus jamais rentré. Donc, content. C'est charme des joueurs. Hein. Et donc, ça, c'est la prisme de cette année. En raid, je ne sais pas quoi. Peu importe. On a fini pour les bases de ces coups. C'est bientôt fini, promis. Quelques petites jerseys pour terminer. L'Absolute Memorabilia. Donc, c'est tout en rookie. Hein. Ah oui, si, sur celle-ci, il me semble avoir vu. Donc vous voyez, hein, hop, et que derrière, voilà, Material, et visiblement, ils avaient prévu Material and Signature ou Autographe, par Guaranteed by Panini, sauf que erreur, et donc du coup, petit coup de marqueur, vu qu'il n'y a pas d'auto et que c'est juste le jersey. Donc on est ensuite sur la Contenders, Rookie Ticket. Classique, hein, tu vois que c'est pareil, ils ont prévu la place pour l'auto, mais il n'y a pas. Et on peut voir, hein, l'année dernière, tout est garanti. Celle-ci est plutôt sympa. Die Cut en Crown Royal. Heirs to the Throne. Alors, par contre, très chiant à protéger. Hein. Va falloir que je m'y colle. Et enfin, la dernière de ces coups, promis après. Ah, si, on entendra une fois parler, mais. Le Jersey série en don russe, toujours 2019-2020. Voilà, c'est basique, rien de folichon là-dessus. Donc, ces coups, c'est fini. On va passer, petite variation, on va passer aux autos français. Hein. On va faire une pause un peu sur les Pistons, parce que ça a bien 2 minutes, hein, cette équipe de merde, mais. Avec première carte, Jalen Horn à Portland, donc c'est de la hoops de cette année. Je sais, je crois qu'il. Voilà, je suis pas sûr qu'il ait joué en soi, chez eux. Mais bon. Un peu plus ancien, Kevin Serafin, un rookie hier aux Washington Wizards. Classics 2010-2011. Une petite Johan Petro au Sonics. Pareil, Ultimate Rookie sur 250. Hop, petite Mikael Pietrus chez les Warriors. Toujours un rookie, il me semble. Hein. Signs of the Future. Ouais, 2003-2004, je crois que c'est son année rookie. Dion Card. La classique Tariq Abdulwahad en Skybox Autographix. Alors, j'avais jamais fait gaffe, mais il y a un très joli Photoshop au niveau de son crâne sur cette carte. Désolé pour mon pouce et un coup de marteau, c'est pas très esthétique, mais ça passera. Le coupe laser hein, pour lui, hein, pour Tariq. Donc, pareil, c'est ma première Skybox Autographix. C'est chouette à avoir entre les mains.
Donc chez les Kings, sa première franchise, le premier joueur. Enfin, ouais. Je crois que techniquement, c'est pas le premier joueur français, mais bon, faudrait vérifier. Je crois qu'il y a des. Alors celle-ci, je suis très content. Pareil, c'est pas un joueur qui aurait fait grande carrière en NBA, mais la carte est plutôt sympa. C'est une Immaculate de Damien Inglis, avec le très joli patch, le très joli auto on-card. Donc voilà, très content. Je l'ai payé. Je l'ai payé 7.